franceinter.fr. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer. Bienvenue en Ile-de-France, dans le 93, à Saint-Denis. Mais non, on est à la Courneuve. Et aussi à la Courneuve. Vous êtes qui, vous ? Moi, je suis acteur et poète, je m'appelle Rabah Medaoui. Je fais partie de la fabrique du Macadam à Saint-Denis. Je fais partie aussi des souffleurs à Aubervilliers. Des souffleurs ? Oui, à Aubervilliers. Et vous soufflez quoi ? De la poésie, du texte, de la littérature, du mot, du sens, mais de l'éclat, de l'âme, de la mémoire, du trouble, mais de l'instant, de l'émotion et des saisons. Bravo. C'est quoi ta radio ? Ben, c'est France Inter. Et bienvenue donc au centre culturel Jean Oudremont, où l'on célèbre les artistes courneviens. Vous voulez une petite poésie, non ? Allez-y. Ouais. Je crois que ce qui est important de savoir, c'est que la beauté, que la création et que l'étonnement, mais toutes les orchidées, elles poussent partout, quoi. Je crois que il est vrai qu'en Ile-de-France, l'incertain et le trouble est présent au niveau économique, social, quoi. Mais il y a une force et un potentiel artistique qui est magnifique et faramineux, dû à une diversité ethnique et culturelle bien présente, quoi. Juste une petite phrase de Victor Hugo qui disait « Dieu n'a pas fait un bruit sans y mêler le verbe ». Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis artiste peintre sur la Courneuve depuis bien des décennies. Voilà, et j'expose ce soir en collectif avec pas mal d'artistes. Voilà. Vous êtes un rebelle parce que je vois que vous avez un cigare à la main. Ah bah le cigare, bah ça c'est pour mourir plus vite. Mais je suis immortel comme tous les artistes. Ah oui, à ce point-là. À ce point-là, oui là. C'est pour ça que vous êtes artiste ? Entre autres, oui. On laisse une trace, effectivement, oui. Culturellement. Où est-ce qu'il y a une trace de vous ici ? Alors, c'est la toile qui s'intitule